Bon les gars, aujourd'hui ça va être chaud. Mon véhicule vient d'exploser dans une station d'essence. Je vais régler ça et j'arrive au poste de police. Yo, salut à tous et à toutes, c'est CVF, j'espère que vous allez bien, moi je suis très bien aujourd'hui. On se retrouve pour un CopJFR sur le mode réalisateur. Ça fait longtemps pour les anciens qui me suivent sur la chaîne, pour les nouveaux, le CopJFR c'est en gros le LSPD qui est sur PC mais aménagé sur console, donc oui je suis sur Xbox One. Enfin bref, du coup, on commence notre service à 18h, enfin, on est censé commencer à 19h mais bon, je suis en avance. Pour vous expliquer quelques petites choses, en ce moment je ne fais pas de gameplay, je suis plus sur l'URP sur ma chaîne comme vous avez pu le voir. Je vais vous dire pourquoi, parce que tout simplement j'ai perdu un petit peu la motivation de faire du gameplay. Le dernier gameplay que j'ai fait en date c'était avec Zach Rosa sur R6, donc Rainbow Six Siege. Et quand je vois que je fais beaucoup moins de vues que le RP, bah du coup je fais plus de RP qu'autre chose. Autant faire quelque chose qui vous plaît tout simplement. Et pour ceux qui vont dire ah tu fais tes sur YouTube pour faire des vues ou pour la monétisation, non, alors il faut savoir que je ne touche pas de revenus de YouTube clairement, et de toute façon la monétisation aussi a été désactivée de ma chaîne, mais bon c'est juste qu'au fait quand je vois que je fais moins de vues pour un truc et plus de vues de l'autre, c'est que je me dis que dans l'autre sens, bah il y a le RP plaît plus que le gameplay. Aujourd'hui c'est un gameplay RP, mais voilà, bref, ce qu'on est en CopJFR. Donc on est avec Martin, donc nouvelle tenue qui sera très prochainement sur l'URP aussi. Je trouve que la tenue fait beaucoup plus américaine comme ça, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire si vous souhaitez. Voilà, bref, du coup on revient en force en CopJFR, ça fait un petit peu longtemps d'ailleurs, moi ça me fait un peu bizarre. Ce jeu, alors il faut savoir que petite nouveauté aussi sur le CopJ, c'est que, mis à part la tenue, c'est que j'ai réussi à modéliser toute la map. Alors il y a des trucs qui ne sont pas affichés, je sais pas pourquoi, mais en tout cas en ville vous pouvez voir qu'il y a le poste de police de Vanude qui est texturé et enfin qui est modélisé, hein, avec les points violets. Par contre j'ai modélisé, alors même si ça se voit pas sur la map, ici c'est modélisé aussi, et c'est modélisé aussi à Paleto Bay, mais je pense que ça a dû afficher l'endroit où j'ai plus modélisé. Parce que clairement, il y a des endroits où bon, il faut modéliser, mais pas trop, parce que c'est déjà assez stylé. Et puis même dans le désert, j'allais pas modéliser non plus, évidemment. Évidemment, ce soir, parce qu'on est dans la soirée, on patrouille dans Vanude, enfin dans les canons de Pussy, pardon. Et voilà. Bref, donc voilà comment j'ai modélisé déjà le poste de police des canons de Pussy. Regardez-moi ça, c'est quand même pas stylé. Alors, je sais que ce véhicule, j'ai fait une petite erreur tout à l'heure avant de rec, donc c'est pour ça qu'il y a le véhicule qui est là, mais je vais vous montrer comment je prends mes véhicules, du coup, en RP. Voilà. Bref, du coup, tout simplement, regardez, si c'est pas magnifique, si ça avec ça, les citoyens, ils savent pas qu'ils sont dans un poste de police, une entrée de poste de police, et que c'est privé, là, il y a un petit problème. Enfin, bref. Du coup, on va prendre notre véhicule, même si vous voyez qu'il y a déjà un véhicule sur la map, mais je vais vous montrer comment c'est stylé, le niveau du spawn. Et le spawn pareil, hein. Je n'ai pas changé quoi que ce soit, j'ai... Voilà. Regardez, c'est pas stylé que la voiture... Merde. Pardon. Oh, Martin, calme-toi. C'est pas stylé comment ça spawn les véhicules, regardez. Voilà. Bref, on va pas s'attarder parce que sinon je vais finir par me jeter des fleurs. Du coup, on va prendre notre patrouille. Donc, centralissime, Martin, donc agent Tintin, prise de service, poste de police de Canon de Valpussy. Voilà. Donc, comme d'habitude, il y a un petit système en dessous, la map qui ralentit les véhicules au cas où. Hein. Hop, on va passer en petit code 3 pour prévenir qu'on sort. Voilà. Bref, voilà les petites nouveautés. Donc, on va patrouiller tranquillement, on va voir ce qui nous réserve au canal de Valpussy aujourd'hui. Ça fait longtemps en plus que j'ai pas patrouillé. Et oui, parce qu'au fait, il faut savoir que sur cet épisode, avant de vous couper, que je coupe le rec et que je vous reprends dès que j'ai une intervention, clairement, on a un secteur assez défini, hein, qui est assez large, du coup, donc ça peut m'emmener jusqu'à... Bon, normalement, je suis pas censé y aller vers la maison de Michael, mais je peux être amené à y aller, même si le poste de police est là et que ça appartient quand même à Vanude. Enfin, bref, voilà. Bref, du coup, je vous retrouve dès que j'ai une intervention ou de quelque chose d'intéressant. A tout de suite. Donc, du coup, on a une voiture, la voiture blanche juste devant nous, sportive, vient de griller le feu rouge. Oh putain, on va se calmer. Voilà. Merci. Alors oui, alors pourquoi je suis obligé de me mettre devant? Bah typiquement parce qu'au fait, sinon le mec va se barrer littéralement. Bonjour ma petite dame. Bah alors, on ne voit pas les feux rouges? Hein? Bon. Alors, donc du coup, madame,
Je vais prendre votre véhicule, je vais regarder l'intérieur de votre véhicule très discrètement, mais bon, voilà, hein, vous ne le savez pas, hein, vous n'avez rien vu. Bref, du coup, madame, vous venez de griller un feu rouge pas très loin du canal de Pussy, d'accord? Bon. Comment ça, no way? Bref. Alors, donc, je vais noter sa plaque. Voilà. Alors, on va ouvrir son véhicule. Putain, ça fait bizarre de... Oh my God! Non, vous inquiétez pas, madame, je vais pas vous piquer, vous rentrer dans votre véhicule. Voilà. Merde, par contre, je suis en train de faire de la merde, le poteau me gêne, merci. Voilà. Bon, le véhicule est clean, mais bon, en même temps, c'est un petit peu une gesture, donc voilà. Donc, madame, je vous explique. Je sais pas qui vous êtes, mais en tous les cas, vous avez fait un accident, vous avez grillé un feu rouge, donc je vais vous mettre une petite amende des familles. D'accord? Voilà. Donc, je vous mets l'amende électronique, il faudrait aller au poste de police le plus proche. D'ailleurs, vous avez un poste de police juste derrière. Donc, voilà, vous avez 3 jours hein, pour la payer, sinon elle est majorée. D'accord, madame? Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Et moi, j'ai un suspect à trouver. Voilà. Donc, central, j'ai mis une amende pour un véhicule Jester du côté de Canon de Pussy et imagination courte. Boîte, c'est un peu bizarre. Donc code 4, reprise de patrouille. What? J'ai entendu crier ou j'ai rêvé? Centrale, je suis du côté des canaux Valpussy et les Palino Avenue. J'ai entendu des cris comme si quelqu'un avait sauté ou autre. Je recherche actuellement. Bon, je suis en code 6 avec des gyrophares. Lol. Ouais. What? Attends, c'est ici que j'ai entendu crier, c'est pas possible. Ouais, d'accord. Bon, vous avez rien vu, je suis un flic qui pénètre un truc comme ça. Ouais, par contre, j'ai pas compris là. Bon, là-haut, je peux pas accéder. Je ne peux pas accéder. Bon, c'est assez mystérieux. On va quand même se munir du taser, on sait jamais. Putain. Ouais, par contre, j'ai pas rêvé. Je vois rien, je vois quelqu'un qui. J'entends un cri qui. Comme si quelqu'un tombait, au fait. Mais il n'y a personne, donc bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Fausse intervention. C'est bizarre. Monsieur, je vous demande de circuler, s'il vous plaît. Parce que vous êtes quand même collé sur un truc électrique, hein? Monsieur? Ouais, bon. On va laisser tranquille, c'est un pauvre petit SDF, hein, voilà. Donc central à vérifier, hein, mais il y a des cris un petit peu suspects du côté de Magellan Avenue et Valpussy. Donc reprise de patrouille code 4, j'ai rien trouvé. Hein. À chaque fois que j'entends des cris, il n'y a rien, y a, personne n'est tombé. Enfin, peut-être un peu plus haut, mais bon, j'ai pas accès. Donc ça sera à vérifier. Donc reprise de patrouille code 4. Ici centrale, j'ai repéré un véhicule de cavalcade qui vient de griller un feu rouge. Donc je vois à l'intérieur 2 individus. Il a accéléré au niveau du feu rouge, toujours sur les canons de Valpulsy, imagination courte. L'individu essaie de j'ai l'impression de me distancer. Je pense que lui il va faire un petit peu un délit de fuite. Hein. Là, tu me parais un peu suspect, toi. Lui, je sais pas pourquoi, mais je le sens mal. Je le sens mal. Déjà, il a piqué une accélération. Là, bizarrement, je suis derrière lui. Il respecte le feu. C'est un peu chelou.
D'accord, bon, déjà, bon, je peux pas te contrôler, mon gars, hein, t'as oublié la route. D'accord, t'es censé t'arrêter quand t'entends des gyrophares, mon vieux, hein. Enfin, ma vieille, parce que t'es une femme. Ouh là là là, centrale, je suis du côté de Del Perouf. L'individu prend direction l'autoroute. J'ai un délit de fuite, donc excès de vitesse. Et donc j'ai une femme à bord au volant. Putain, par contre, ça va être chaud. Non, par contre, peut-être pas la grenade quand même, pour l'abuser. Madame, arrêtez-vous! Juste pour un feu rouge. De toute façon, là, c'était bizarre. Ça arrêtait bizarrement. L'autre, de ce qu'ici, j'ai eu que des gens qui se mettaient sur le côté. Là, c'est clairement un délit de fuite. Arrêtez-vous! Donc, ici, centrale, j'ai gré. Oh là, putain, les gens s'affolent quand j'ai tiré au feu. Donc, la personne, je lui ai crevé le pneu arrière gauche. Putain, mais laisse-moi passer, toi, de ta Porsche de merde. Faut pas que je perde de vue. Putain, les gens s'affolent quand on tire. C'est bon, là, c'est bon. La personne fait un 360 degrés. Arrête-toi, arrêtez-vous. Madame, madame, arrêtez-vous. Oh putain, elle me pousse. Oh putain de merde. Waouh. Donc je suis actuellement en poursuite. Oh putain. Elle roule sur les trottoirs. C'est bon. Elle a défoncé un poteau. Madame. Enfin monsieur maintenant. Oh là là. Monsieur, je suis désolé monsieur. Monsieur. Merde. Ah putain. Moi c'est sûr que je vais aller loin. Bon, homicide. Non, la personne se relève. Centrale, la personne refuse toujours d'obtempérer. Merde, par contre. Je l'ai pas perdu de vue. Non, c'est bon, je l'ai pas perdu de vue sur le côté. Refuse toujours de tempérer, hein. La personne roule à sens inverse. Putain de merde. Par contre, je vais pas me foutre en danger. Et je vais pas me foutre en danger moi-même. Ah oui, d'accord, je vais aller loin avec le taser. Messieurs, arrêtez-vous. Putain, mais pourquoi ça me sort le taser à chaque fois? Wow. Oh, il y a un bus. Mais bon, ça, le jeu bug. Putain, mais poussez-vous, merde. Ah. C'est bon, j'ai pas perdu de vue, il a pris l'autoroute. Centrale, je suis en longue poursuite sur les Pacific Bluff. Le suspect reprend l'autoroute du côté de Del Perro Freeway. What? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Monsieur ? Oui, d'accord. Ouais, c'est ça, hein. Non, c'est pas ça, putain, merde. Putain de merde. Centrale, je crois que j'ai perdu de vue l'individu. Ah, quoique. C'est pas ça ? Non, c'est pas ça. Merde ! Du coup, il s'est échappé, ce con. Bref, bon, bah c'est pas grave. Centrale, donc le suspect m'a échappé. Le véhicule était un Albany Cavalcade, donc j'irai Jeep. Je retourne au poste de police pour changer de véhicule parce que mon véhicule a été accidenté suite à la poursuite. Bon, du coup, je vous retrouve dès que j'ai un nouveau véhicule. A tout de suite. Bon, on va reprendre un véhicule, du coup. Putain, ça me sort le taser à chaque fois. Hop, on va reprendre un véhicule, du coup, on va avoir le police cruiser là. Je pense, on va avoir le gros cruiser, voilà. Hop, bah oui, parce qu'en RP, hein, je peux pas prendre le même véhicule, vu que l'autre, il est en panne. Évidemment, celui-là, quand il sera en panne, je reprendrai l'autre, mais bon, j'espère pas qu'il reprendra un autre véhicule d'ici là. Bref, du coup, je vous retrouve dès que j'ai une intervention. Il est quelle heure? Il est 2h40.
Bref, à tout de suite. Qu'est-ce que... Bon, je vous ai pas coupé, mais bon, lui, il était un peu suspect. Un peu lent, par contre, là, d'ailleurs. Donc, je vous retrouve. Si vous me revoyez avec le véhicule, c'est que le véhicule a quelque chose à se reprocher. À tout de suite. Il a une conduite un peu lente, lui, hein. Bon, je sais que je suis un flic qui est censé... C'est bien, il roule normal, mais... Voilà, mets-toi de côté... Non, tu m'as l'air... Tu serais pas amoché, toi, par hasard? Monsieur, garez-vous sur le côté, s'il vous plaît. Oh, toi, à mon avis, t'es amoché, toi. Pas pourquoi, mais... Monsieur! Arrêtez-vous, s'il vous plaît. Ouais, je peux toujours pas, il est encore à moitié. Il va gêner la circulation. Putain, fais chier! Bon, bah, on va attendre le prochain feu. Ouais, mais là, il est un peu lent, c'est un peu chelou. Il est un peu lent. Qu'est-ce que tu nous fous? En plus, là, t'avais l'autorisation de tourner à droite. Je peux toujours pas. Parce qu'il faut vraiment qu'il se colle au trottoir comme j'avais contrôlé tout à l'heure, mais. Putain! Monsieur, Ellie Speedy, garez-vous sur le côté, s'il vous plaît. Central, je suis du côté de Rockford Hills. Je galère à arrêter un individu. Oula, non, non, me dis pas qu'en fait là maintenant il est sourd d'une oreille. Ouais, donc Central, je suis en train de faire une tentative de contrôle pour un individu de Karim. What? C'est un Karim quoi le véhicule? Ouais, du côté de Rockford Hills Heritage Highway. What? C'est. Ouais, bon, je suis un petit peu en train de dépasser littéralement mon. Bon, non, je suis à la limite encore. Je suis encore à la limite. Ouais, bon. Je crois que lui va devenir sourd. Je sais pas pourquoi. Je sens que lui. Et. Bon, tant pis, je vais pas affoler les gens. Je vais. Lui crever les pneus au taser si il obtempère pas. D'accord, ouais, donc c'est bien ce que je dis. Donc, Central, j'ai en effet un refus de tempérer. D'accord. Merde, oh, j'ai visé la carrosserie comme un gros con. Monsieur! Messieurs, dames! J'ai crevé le pneu avant gauche. Oui, je sais. On crève les pneus de nos jours avec un taser. Tout va bien. Monsieur, arrêtez-vous! Monsieur! Putain de merde. Alors, par contre, toi, je vais pas te lâcher. Central, il a les deux pneus gauche de crever. Je suis du côté de Rockford Hills, toujours. Individu refuse de tempérer, poursuite assez lente contrairement à tout à l'heure où j'ai perdu l'individu. Je vais tenter de lui crever le... Merde. Putain de merde. Putain, mais c'est pas possible. En plus, j'approche à la fin de mon service quasiment. Dix 50 avec un citoyen. Monsieur, arrêtez-vous! Monsieur! Putain, 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 putain. Faudrait que je trouve le moyen de le bloquer, mais là, il y a beaucoup trop de circulation. Et c'est un peu compliqué, en fait. Ouais. Bon, par contre, mec, tu vas pas aller loin avec trois pneus crevés, hein? Donc, tu vas peut-être t'arrêter, hein? Peut-être à un moment donné, tu vas peut-être décider de t'arrêter, hein? Quand même, ça sera plutôt pas mal. Parce que surtout que je suis en train de m'approcher de plus en plus de l'autre poste de police. Hein? Bon allez, je vais tenter de faire un pit maintenant, 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 maintenant. Monsieur, arrêtez-vous, arrêtez-vous.
Monsieur! Monsieur! Oh putain! Ah putain! Messieurs, dames, arrêtez-vous! Putain, bon, mon véhicule. Non, monsieur! Monsieur! Obtempérez, monsieur! Monsieur, arrêtez-vous! What? Il est en train de me pousser, ce con, là. Allez, vas-y. Prends de la vitesse. Prends passe devant moi. Non, non, non. Oh, putain. Non, putain, mais... Waouh! Notre première patrouille Cop J commence bien. On a deux poursuites où j'arrête pas de les arrêter. Monsieur, arrêtez-vous. Ah bah bravo. Ah bravo. Ah bah bravo. Bah du coup on a un accident. Centrale, la personne à l'intérieur vient de succomber suite au choc à un poteau électrique. Enfin je crois que c'est un truc électrique ça. Monsieur, arrêtez-vous. Ça fait tout ouvert, du coup je vais peut-être pouvoir le taser. Monsieur! Monsieur, 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 monsieur! Merde, putain! Monsieur, arrêtez-vous! Votre personne à votre droite aura peut-être besoin de soins! Putain, mais merde, non mais c'est... Hop, c'est bon. Suspect neutralisé. Bon, je l'ai neutralisé. Monsieur! Monsieur! Putain. Centrale, je suis du côté... il est 6h35, je suis du côté de Philbox Hill. J'ai réussi à interpeller l'individu. Bon, je l'ai talisé à la tête. Demande de paramédic. La passagère a succombé du côté et blessée. Donc, je sécurise le véhicule. Ouais, par contre... Il y aurait moyen que je fasse un truc, genre 6h du matin, que je ferme un petit peu temporairement. Hop, aucun véhicule. Coucher de soleil, on va mettre Aurore. Merde, bah du coup, le véhicule a tombé. Bon, le véhicule a été enlevé, il a été emmené en fourrière, l'autre dame a été emmenée à l'hôpital, on va dire. Par contre, lui, je sais pas ce que je vais faire. Enfin, si, hein, clairement, je vais contacter le central afin qu'ils viennent faire leur boulot. Donc, central demande de coroner afin de réouvrir la circulation. Putain, d'ailleurs, on a l'impression que la ville était complètement déserte. Lol. Hop. Du coup, on va faire. Du coup, on va réouvrir la circulation. Et on va faire nettoyer la zone. Voilà. Oh, bah donc c'est tout propre. Voilà, bref, donc centrale, reprise de patrouille, direction poste de police pour prendre la fin de service. Voilà. Bon, du coup, je vous retrouve au poste de police. Ou peut-être avant si je n'ai pas l'intervention. En tous les cas, ça va être bientôt la fin de mon service, du coup. Donc je vous retrouve au poste de police. A tout de suite. Bon, je vous retrouve au poste de police. Enfin, je suis pas complètement encore, mais je rentre au poste de police. On va déposer le véhicule ici. Et puis, voilà. Bref, j'espère que quand même ce petit retour au Cop JFR vous aura plu. N'hésitez pas à partager et de commenter. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres, si vous voulez que je refais une série de Cop JFR sur cette nouvelle map. Je pense que déjà, je vous présenterai le prochain poste de police. Là, j'ai commencé sur celui-ci parce que je trouve que clairement, celui-là est quand même beaucoup plus stylé. Et pour en revenir au Cop JFR, je trouve que quand même, clairement, voilà. Bon, il y a quelques petits bugs, hein, toujours. Par exemple, ici, vous ne pouvez pas tirer. Hein, voilà, votre personnage met comme s'il y avait un mur. Mais bref, voilà. Tout simplement, j'espère que cet épisode vous aura plu. Nous étions avec Martin, avec la prochaine tenue qui sera sur l'URP prochainement. Voilà, sur ce, c'était CVF. Ciao, bye bye.